Bonjour à tous, je suis Ananta, je donne cours de ensemble de tango argentin à musique publique. Et pendant le confinement, on a voulu rester actif et créatif. Et on a fait un jeu musical avec un tango très connu qui s'appelle Felicia de Eduardo Saborido. Et on a chacun enregistré une ligne de basse qu'on a fait roter. Et donc chaque personne recevait la ligne de basse de quelqu'un d'autre sur laquelle on a enregistré la mélodie qu'on a collée ensemble et de nouveau repassée vers la prochaine personne pour enregistrer l'accompagnement. Et après la rotation de nouveau, on a ajouté une deuxième voix et pour terminer, et le cercle était rond. On a ajouté une dernière voix libre qui pourrait être des effets ou un solo ou quelque chose pour améliorer et terminer le morceau. Je pense que les élèves, ils ont magnifiquement fait et on a sorti avec cinq petites perles de Félicia et tout cela est visible sur le site de Musique Publique. Et voici déjà la première version de Félicia, dans laquelle moi j'ai créé une ligne de basse sur le violon. Après, il y avait Marie qui a interprété la mélodie sur l'accordéon. Et puis, il y avait Naomi qui a inventé un accompagnement sur la flûte. Et puis, Franck, il a créé une deuxième voix sur le violon. Et pour terminer, il y avait Amandine qui a inventé des solos et des effets sur le violon aussi. Mais Marie, elle avait aussi fait une ligne de basse. Elle avait choisi de le faire sur le piano, qu'on a envoyé vers Naomi pour ajouter la mélodie. Après, il y avait Franck qui a ajouté l'accompagnement. Amandine, elle a créé une deuxième voix. Et moi, j'ai terminé le morceau avec la voix libre. Thank you.
Et on est arrivé chez Naomi, qui a fait aussi une ligne de basse, qui aussi a fait sa propre vie. Il est allé chez Franck pour la mélodie. Après, Amandine a ajouté un accompagnement. Moi, j'ai fait une deuxième voix. Et Marie, elle a terminé avec sa voix libre. Et vous allez voir, dans chaque version, il passe des choses et des surprises. Et dans celui-ci aussi, il y a infiltré un autre morceau très, 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 encore beaucoup plus connu. À voir si vous le reconnaissez. Version-ci, la basse vient de Franck, Amandine elle a fait la mélodie, moi j'ai fait un accompagnement, Marie elle a fait une deuxième voix et Naomi elle a fait la voix libre. Et pour moi, dans la deuxième partie, il passe des choses vraiment magiques. Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre. La cinquième version, elle est si beau et si unique comme tous les autres. C'est avec Amandine qui a fait la ligne de basse. Moi, j'ai fait une mélodie dessus. Il y avait Marie qui a fait l'accompagnement. Naomi, elle a fait une deuxième voix dessus. Et Franck, il a fait terminer avec une voix libre. On a fait tout ça avec les moyens qu'on avait, donc les qualités de son et d'autres n'étaient pas toujours très évidents, mais je suis quand même très très contente
avec toute la bonne énergie qu'on a fait ça tous ensemble. Et je voulais encore remercier à Amandine, Marie, Naomi et Franck pour cette belle expérience. 1, 2, 3, 4. 1.